l'excellent départ à l'intérieur de Cédric Souveras. À ses côtés, la grosse attaque également avec Kevin Ballanger. La chute de Xavier Bogue, vainqueur hier soir, le vainqueur de la soirée du vendredi vient de chuter le numéro 121.
centimètres à l'intérieur. Passage sur l'enchaînement. Xavier Bock qui fait une remontée exceptionnelle déjà dès le début de cette soirée. Allez, son bout en bout maintenant. Adrien Escoffier pilote là. Plus que Marla, Xavier Bock juste derrière. Avec le Kawasaki numéro 121. Le passage dans les hoops, on rattrape les retardataires maintenant. La même ligne pour les deux pilotes. Pas de différence à ce moment-là. L'intérieur et l'extérieur pour Bock qui va passer sur un autre. Enchaînement, le quadruple. Allez, pas de différence. Toujours l'avantage pour Escoffier. Bock juste derrière. La bagarre pour la troisième place, elle est là. Et Bock qui tente à l'intérieur. Ça ne passe pas encore. Allez, la série de Woods ensuite. Ils sont tous les deux une trajectoire intérieure. Bock saute les Woods. Ne les dribble pas. Une façon différente de prendre cette difficulté. Excelente de Christophe.
ici à Lyon cette année. Cyril Coulon, pas dérisoire. Allez, l'avantage est pour difficile à prendre, impressionnant, c'est vrai.
le repêchage de cette catégorie SX1 obligatoirement terminé parmi le top 4. 4. Kevin Ballonger qui prend la première position, la chute derrière malheureusement. Et une petite erreur juste derrière avec Maxence Morin. Kevin Ballonger aux avant-postes, juste derrière lui on retrouve Kevin Tarano. Kevin Tarano en deuxième position, la troisième place. C'est Damien Berger, troisième. Yeah.
des box, 5ème sur la grille, Christophe Martin est là. Le départ de la catégorie SX1. 15 secondes. Finale catégorie SX1 dans 5 secondes. Et le meilleur départ est signé Valentin Tellier. Valentin Tellier, le bon gars du Team Race.
deuxième partie de la manche maintenant. Tellier.